50 jeunes équipes de football de l'Est de la France ont joué sur les terrains de l'AS Montbronn. Une ancienne joueuse de ce club est revenue pour assister à l'édition 2022 du tournoi du Grand Est. Romane Munich est aujourd'hui gardienne en D1 féminine pour l'ASJ Soyaux-Charente. Cette joueuse professionnelle est la marraine de l'événement cette année. J'ai accepté volontiers parce que c'est un club qui me porte à cœur et puis c'est là que j'ai évolué dès mon enfance, dès ma plus jeune enfance. Et c'est grâce à eux que j'ai pu arriver à ce niveau où je suis actuellement aujourd'hui. Originaire de Montbronn, elle a beaucoup évolué dans sa carrière sportive avec 19 sélections en équipe de France. Cette compétition lui rappelle son passé. Bien sûr, ça me rappelle des souvenirs, c'est des tournois que j'ai fait dans mon enfance aussi également. Et c'est des tournois où on prend du plaisir, on s'amuse entre copains. Autrefois, ce tournoi rassemblait des équipes internationales venues de toute l'Europe. Depuis quelques années, l'AS Montbronn se limite au Grand Est. Une partie des catégories jeunes sont représentées, U9, U11 ou encore U13. Le club souhaitait aussi mettre le football féminin à l'honneur avec la venue de Romane Munich. C'est une immense fierté d'avoir une joueuse formée à l'AS Montbronn qui est internationale. Je crois que c'est la première, on en a peut-être un autre. Je dirais dans les tuyaux, c'est William Mikkelprensis qui joue à FC Metz, qui était déjà international jeune aussi. Donc ça prouve que Montbronn est vraiment un club formateur. Pour l'occasion, la footballeuse a fait cadeau au club d'une paire de gants dédicacés et d'un t-shirt.